dans cette ville de Pau. Moi, je suis mon collègue est de Pau, mais moi, je suis venu de Paris et ça me fait énormément plaisir d'être ici. Ce n'est pas la première fois que je visite d'autres villes et je suis chaque fois frappé de la qualité des publics. Bon, merci à tous d'être présents. Donc, je voulais commencer par évoquer le Grothendieck, donc qui est mort il y a à peu près exactement 2 ans, le 13 novembre 2014. Les mathématiques, comme toutes les autres disciplines des sciences et probablement ailleurs, ont connu un peu une explosion des connaissances au XXe siècle. Et Grothendieck est un des acteurs principaux de ce progrès mathématique. Et donc, il me semblait important de l'évoquer, d'évoquer son travail, sa vie très romanesque, ses œuvres mathématiques et littéraires aussi. Et pour le faire, j'ai sollicité la venue de... Enfin, j'ai demandé à Pierre Cartier de venir en parler. Pierre Cartier a publié déjà de nombreux articles sur la vie de Grothendieck et aussi de nombreux articles mathématiques. Bien sûr, il a une contribution mathématique très importante. Il a donné un entretien aussi, enfin, plusieurs entretiens, mais son dernier entretien sur France Culture le 3 novembre, je crois. C'est ça. De 16h à 17h. Dans l'émission de Nicolas Marsan. C'est ça. Donc vous pouvez trouver tous ces documents sur votre site de l'IHES. Oui. Donc, vous tapez Pierre Cartier sur Google, vous tombez sur sa page à l'IHES, à l'Institut des hautes études scientifiques, et vous avez ses publications à la fois... Pas toutes d'ailleurs, pas les dernières. Pas les dernières, oui. Donc voilà, donc avant de parler et de demander à Pierre Cartier de parler de Grothendieck, je voulais faire une petite présentation de son parcours. Donc vous êtes rentré à l'école normale en 1950, vous avez fait une thèse sous la direction d'Henri Cartan, oui. Et puis avec les conseils d'André Veil, enfin bon... André Veil, le frère de Simone Veil, pour préciser. En 1955, il me semble, vous participez à l'aventure extraordinaire du groupe Bourbaki pendant une trentaine d'années, et bon, il faudrait presque toute une conférence pour évoquer Bourbaki aussi. Vous avez de très nombreuses contributions en mathématiques et dans des disciplines très différentes, ce qui fait probablement de vous le détenteur du record des exposés au séminaire Bourbaki. Pour ceux qui connaissent la difficulté d'obtenir un exposé au séminaire Bourbaki, parfois ça, un seul, c'est une récompense pour toute une carrière. Monsieur Cartier en a donné 38, que ce soit en... Non, 42. Oh, j'ai mal compté. Alors le dernier. Non, les derniers ne sont peut-être pas parus. Les derniers sont peut-être pas parus. J'ai vu le dernier en 2009. Et donc que ça soit en probabilité, en physique mathématique, en théorie des groupes, évidemment, parce que c'est une de vos spécialités, en géométrie algébrique, topologie algébrique, etc., etc. Il anime aussi un séminaire de philosophie et mathématiques à l'École normale supérieure. Enfin bon. Bon. Qui est l'héritier de Althusser. Voilà. C'est Althusser qui l'avait fondé il y a une soixantaine d'années. Et puis, vous avez aussi rencontré, évidemment, Grothendieck dans le cadre à Bourbaki, je pense. En tout cas, vous étiez un ami, un proche de Grothendieck, et puis un collègue. Et donc, je voulais commencer par, vous me disiez hier que pour vous, Grothendieck avait eu 4 vies. Et le proscrit, la star mathématique mondiale. L'écolo radical, et puis le... Et puis l'ermite. Je vous cède la parole. Bon, alors effectivement, la vie de Grothendieck pourrait faire l'objet d'un roman. On est ici dans une rencontre littéraire. Or, il y a 2 manuscrits importants littéraires de Grothendieck qu'il a écrits tardivement. L'un qui s'appelle Récoltes et semailles, ou l'histoire d'un mathématicien, la vie d'un mathématicien, qui est un ouvrage assez étonnant, parce qu'il y a à la fois des choses absolument extraordinaires sur la création mathématique, et d'autre part des rancœurs contre ses anciens collaborateurs, ses anciens collègues, ses anciens élèves. Bon. Et puis il a écrit un deuxième livre, qui s'appelle La clé des songes, qui est une méditation spirituelle assez étonnante. Mais c'est là où il se livre peut-être le plus... En donnant des détails sur sa vie, sur son enfance. Et puis, annexé à ça, il y a quelque chose qui s'appelle Les Mutants, qui est une série de 12 portraits des personnes qui ont changé l'humanité à son gré. Alors, c'est très, très variable. Il peut y avoir un agriculteur bio qu'il a connu en 70 ou Krishnamurti. Enfin, bon, c'est très compliqué. Bon, alors, tout ça n'est pas publié.
y a divers éditeurs qui sont sur la piste de le publier. Il y a Actes Sud, d'une part, qui m'a contacté, et d'autre part, Odile Jacob. Odile Jacob, une maison d'édition assez originale. Donc, ça. Mais, bon, pour l'instant, tout est un peu bloqué parce qu'il y a des questions avec les héritiers. Vous savez que quand un auteur, quand il meurt, pendant 50 ans, ces documents ne sont pas dans le domaine public, donc ça dépend entièrement de la bonne volonté des héritiers. C'est souvent très compliqué. Comme l'a dit l'avocat que j'avais consulté là-dessus à propos de Grothendieck, vu la manière dont ça se présente, il y en a au moins pour 10 ans. Les héritiers sont difficiles à contacter. Oui, enfin, bon, il y a divers. J'en parlerai peut-être tout à l'heure. Bon, donc là, il y a c'est ça. Et alors, bon. Par contre, si vous êtes un petit peu patient sur Internet, vous finirez par les trouver. En principe, ils ont été censurés, mais enfin bon, on les trouve. Il y a un site qui s'appelle Grothendieck Circle, qui est tenu par deux de mes collègues, qui donne pas mal de documents dessus. Et puis, il y a un site espagnol, je ne sais plus le nom, enfin bon. Si vous tapez Grothendieck sur Google, vous trouverez pas mal de renseignements. Donc voilà. Donc, alors, je disais, ce personnage a eu quatre vies. Les chats, on dit que les chats ont 7 vies, mais lui, il en a eu 4. 4 vies aussi romanesques l'une que l'autre et totalement différentes l'une de l'autre. Bon, la première, bon, pour situer la chose, la première, qui est son père, qui est sa mère? Son père est à... Alors, faisons attention aujourd'hui, ne confondons pas russe et ukrainien aujourd'hui. Je crois qu'on le sait aujourd'hui qu'il ne faut pas les confondre. Bon, son père a participé à la guerre civile de 1917 à 1924 en Ukraine, qui s'est battu contre tout le monde, contre les Polonais, contre les Allemands, contre les Soviets, contre les Cosaques, enfin bon, c'est permanent. Et lui, il était dans un groupe qui s'appelait Makhno, qui aujourd'hui, dans certains cercles ukrainiens, est révéré comme un héros national, et qui était le chef d'une bande de révolutionnaires... c'était un mélange de révolte paysanne, il fallait reprendre les terres aux grands propriétaires, c'était un mélange de nationalisme ukrainien contre les Russes, c'était un mélange d'anarchisme, enfin c'était assez complexe. Et Makhno a résisté, et puis il a dû fuir le pays et se réfugier à Paris. Donc le père de Grothendieck, qui a fait les deux révolutions de Russie, celle de 1905, il avait 16 ans, et celle de 1917, entre-temps, il a fait 10 ans de prison, et dans des conditions épouvantables, épouvantables. Et puis, bon, il a une vie, comme m'a dit une fois Grothendieck, mon père a fait de la prison politique dans 17 régimes différents. Bravo, j'ai dit. Alors, est-ce qu'on va le mettre dans le Louisou? Alors, Grothendieck, qui n'avait pas toujours le sens de l'humour, a dit, qu'est-ce que c'est que ça, Louisou? Dictionnaire des célébrités. Ah non. Non, j'ai dit Louisou de la Révolution. Mais il n'y en a pas, malheureusement. Bon, alors, donc, c'est pour vous dire, bon, il a vécu, enfin, entre 1915 et 1917 et 1940, il est de toutes les révolutions, il y en a eu beaucoup en Europe. Il est chez Bellacoun, il est chez Rosa Luxembourg, il est pendant la guerre d'Espagne, etc., etc. Bon, il est partout. Et il a fini sa vie pas très loin d'ici, à Gurs. Mauvais souvenir. Et n'oublions pas que Gurs a été ouvert en 1938 par Daladier, non pas par Vichy, non pas par les nazis, par Daladier en 1938. Bon. Et il a été, comme beaucoup, bon, il a fait la guerre d'Espagne, au moment de la défaite contre les fascistes, il s'est réfugié ici avec nous. Bon, je ne vais pas vous expliquer ici, vous qui êtes près de la frontière espagnole, tout ce qui s'est passé à cette époque-là. Et il a traîné de Gurs à Noé, puis je ne sais plus quand, quel troisième camp. Bon. Pendant ce temps-là, la mère de Grothendieck était une Allemande d'extrême gauche dans les années 20, à la fin des années 20, sortant d'une bonne famille de Hambourg, une bonne famille protestante de Hambourg, et puis elle était il y avait une folle agitation à Berlin à cette époque-là, elle a participé à toutes sortes de mouvements. Elle écrivait dans la presse féministe, enfin bon, etc. Elle voulait être romancière. Ça nous ramène à nos considérations. Bon, et elle n'a jamais... Il y a quand même un livre qu'elle a écrit en allemand qui s'appelle « Eine Frau », une femme, qui est une espèce d'autobiographie romancée, et qui est disponible aussi.
disponible. Si vous prenez le, enfin, c'est disponible sur Internet. Bon. Donc, ça n'a jamais été publié, mais c'est un livre qui est un livre de témoignage intéressant. Donc, voilà pour son enfance. Alors, bon, quand les nazis arrivent, son père est juif, parce qu'il est né, je vais dire que son père est né, son père s'appelle Shapiro. Alors, ceux qui sont un petit peu au courant savent que tous les Shapiro, Spiro, Sapira, etc., viennent du même endroit, un endroit qui aujourd'hui est situé à la frontière commune entre l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie. C'était une communauté juive extrêmement riche. Et aujourd'hui, on les appelle Lubavitch ou Hassidim. Enfin bon, c'est des juifs très, très orthodoxes. Et le père de Grotonik était en rupture par rapport à ce milieu-là. Une des premières ruptures. Bon, il y en aura beaucoup des ruptures. Bon, alors après, il rencontre sa femme qui s'appelait Anka Grotendieck. Il porte le nom de sa mère, Anka Grotendieck. Bon, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Ceux qui connaissent Alexanderplatz, le fameux roman sur la... comment il s'appelait donc je ne sais plus. Pardon. Dublin. Alexanderplatz, qui est un roman très connu et historique sur ce qui s'est passé à Berlin en ce temps-là. Bon, donc, quand les nazis arrivent, ils sont obligés de fuir, le père puis la mère, fuient l'Allemagne, se réfugient en France, et puis ils ont plein d'aventures. Et leur fils, ils le laissent derrière. Ils avaient un fils et une fille. Bon, il y avait Grotonik avait une demi-sœur. Donc ils sont laissés derrière eux en Allemagne, de 31 à 38, 39, et protégés par une famille qui s'appelait Aydon, c'était quoi? C'était un disciple de Russell. C'était un disciple de Russell, de Bertrand Russell. Donc, éducation libertaire, école privée, selon les principes de liberté. Et au temps du nazisme, c'était pas très, très... Mais il a aidé beaucoup d'enfants juifs, il a accepté beaucoup d'enfants juifs dans son école. Bon, c'était un ancien pasteur luthérien qui s'était reconverti à l'éducation, ce qui n'a rien de surprenant. Bon, et puis en 1938, la situation est tellement difficile qu'on le met dans le train, on retrouve par le consulat de France à Hambourg trace de ses parents, on le met dans le train à Hambourg, on lui dit, quand tu arriveras à Paris, il y aura quelqu'un pour t'attendre. Il a à peu près 10 ans à l'époque, il a à peu près 10 ans, vous imaginez. Bon. Alors après pendant la guerre, son père a été à Gurs, sa mère a été à Rieux-Croix, lui-même il a été aussi à Rieux-Croix, enfin dans tous les camps qu'on appelait de concentration. N'oublions pas qu'on disait, la terminologie c'était camp de concentration, hein. Pas camp de réfugiés, camp de concentration. Bon, alors lui, il a, puisque c'est tellement romanesque sa naissance, son enfance, il se trouve qu'il y a au Chambon-sur-Lignon, ce qu'on appelle les mille enfants, je crois, il y a un film qui est là-dessus, c'est la résistance protestante. Moi, j'ai connu beaucoup ce milieu-là dans ma jeunesse, et les vieux protestants disaient, bon, on s'est battu contre les dragonnades de Louis XIV, Hitler, c'était pas pire. La Bible d'une main, le fusil de l'autre. Et sous la conduite d'un personnage extraordinaire qui s'appelle Pasteur Trocmé, qui, lui, n'avait que la Bible. Enfin, il avait quand même une milice autour de lui qui avait des fusils aussi. Bon. Et alors, bon, donc il a été sauvé par là. J'ai même, pour la petite histoire, rencontré ultérieurement, dans une de ces rencontres protestantes que je fréquentais à l'époque, une femme qui avait été son professeur de mathématiques au lycée Sevenol, c'est-à-dire cette école privée protestante qui avait accueilli tant de proscrits. Et qui se souvenait de lui, bien sûr, et qui a été surprise quand je lui ai dit ce qu'il était devenu, parce que c'est la deuxième étape de sa vie, une star mondiale des mathématiques. Bon, alors, bon, il se termine, bon, il a une enfance, je dirais, une enfance complètement chaotique. Et alors, à la fin, il est étudiant à Montpellier, vivant misérablement, faisant les vendanges, sa mère était déjà malade, était devenue tuberculeuse dans toutes ses détentions, et il vivait avec elle. Bon, et puis il a fait des études à Montpellier assez médiocres, mais entre les mains de professeurs assez médiocres eux-mêmes. Bon. Mais à 20 ans, il a une chance inouïe. C'est à 20 ans, une chance inouïe à un monsieur qui s'appelait.
un inspecteur général de l'enseignement qui était chargé après la guerre de faire le tour des lycées pour repérer parmi ce qu'on appelait les personnes déplacées. N'oublions pas que l'Europe a absorbé à cette époque-là 30 millions de réfugiés. Hein. Alors nos problèmes de réfugiés qui sont sérieux et graves, c'est rien, 30 millions de réfugiés. Vous me direz, c'était des Européens. Oui, mais est-ce qu'un juif de Biélorussie est un Européen? On peut en discuter. En tout cas, aux yeux de certains, il n'en était pas. Bon, donc, Mania, un inspecteur général dont le boulot, c'était de détecter les jeunes talents et de donner des bourses à ceux qui en méritaient. Il le détecte immédiatement, il lui donne une bourse qui lui permet de venir à Paris pour commencer un doctorat. Alors ça, c'est le début, 48, c'est le début de la brillante carrière qui va durer 22 ans. C'est ça, c'est la deuxième phase de sa vie. Alors, la deuxième phase de sa vie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il arrive à Paris, bon, assez isolé, avec une recommandation pour un grand professeur de mathématiques, mais le grand professeur de mathématiques, à 81 ans, il est déjà un peu hors course. Et celui qui lui a donné la recommandation à Montpellier ne sait pas qu'il est déjà très âgé et que c'est son fils qui est la grande gloire mathématique de l'époque. Henri Cartan, dont j'étais l'élève, bon, à ma génération, on a tous été des élèves de Cartan. C'était la figure dominante des mathématiques françaises à l'époque. Il était professeur de mathématiques à l'école normale, il avait aussi une chaire à la Sorbonne, enfin bon, on était tous passés entre ses mains, tous. Bon. Et il était un détecteur de talent remarquable. Pendant une quinzaine d'années, lui et Laurent Schwartz, un autre grand mathématicien, connu pour ses engagements politiques contre la guerre d'Algérie, contre la guerre du Vietnam, tout ça c'est très très mélangé, hein, bon. Et donc, Laurent Schwartz et lui, il n'y avait pas besoin de 36 réunions, de commissions, de rapports, etc. On était très peu nombreux. Il y avait 5 thèses de mathématiques par an en France à l'époque, pour toute la France. Bon, on était tous essentiellement à Paris. Il y avait quelques-uns à Nantes, à Nancy, à Strasbourg, plus tard un peu à Grenoble, enfin, c'était très peu. Bon, alors, pas de discussion. Ils prenaient un café ensemble. Alors, de celui-là, qu'est-ce qu'on fait de celui-là? Qu'est-ce qu'on fait de celui-là? Qu'est-ce qu'on fait de celui-là? Et c'était décidé. Quand moi-même, j'ai cherché un poste, j'ai été candidat à un certain nombre d'endroits, on me disait, mais pourquoi tu viens chez nous? On serait très content de t'avoir, mais pourquoi tu viens chez nous? Alors que Cartan nous dit que tu es déjà à Strasbourg, où je n'avais pas été candidat. Mais il avait décidé que j'irais à Strasbourg. Et j'y suis allé. Je ne m'en suis pas repenti. Et c'était une très bonne expérience. Donc, pour vous dire que, alors, à ce moment-là, Grothendieck arrive, et dès les premiers jours, on se rend compte qu'il est un ovni. Bon, il ne sait pas grand-chose, il dit lui-même, je posais des questions stupides. Oui, mais enfin, on sait bien que moi, j'encourage mes étudiants à me poser des questions stupides, des bonnes questions stupides. Bon, des questions qui montrent leur ignorance, mais qui montrent aussi leur perspicacité. Bon, moi, j'encourage toujours mes étudiants à faire ça. Donc, lui posait des questions qui montraient son ignorance, sa naïveté, mais qui montraient aussi son talent. Bon. Donc, très vite, il est reconnu. Bon, alors, pour des raisons, il faut imaginer M. Cartan, qui est le type même du protestant, professeur protestant de la Sorbonne, et cette espèce de galopin qui était Grothendieck à l'époque, il y a des photos de lui en short, etc. Bon, ça n'a pas très bien marché. Mais Cartan, qui était perspicace, s'est dit, bon, si je le prends sous mon aile, ça ne va pas marcher. Mais je vais le donner à un de mes amis qui est à Nancy, et là, ça s'est bien passé. Donc, le début de sa carrière, c'est qu'il va passer 3 ou 4 ans à Nancy pour faire une thèse. Au moment où il soutient sa thèse, en 1953, les rapporteurs hésitent entre 6 travaux différents, dont chacun était capable de lui donner une thèse, et dont chacun sera publié dans une très grande revue. Il en avait 6, alors qu'on lui en demandait un. Bon. Alors après, il y a eu des difficultés. Bon, alors, très vite, alors à ce moment-là, dès ce moment-là, c'est le moment où je l'ai connu, vers 1952 ou 1953, c'est clair qu'il est la star montante. Et très rapidement, alors dans une école, bon, l'école française de mathématiques à cette époque-là est extrêmement vivante, vraiment extrêmement vivante. Et ça a été un âge d'or. Mais les choses vont à toute vitesse. Moi-même, dans le sujet que je travaillais, j'ai dû apprendre 3 fois les bases, parce qu'en 10 ans, les bases ont changé 3 fois. Bon, j'ai dû apprendre, en partie la dernière fois, à cause de lui. Et puis, bon, et là, donc, il s'impose. Alors, comme il n'est pas français, il est apatride, parce que né à Berlin en 1920, le 28 mars 1928, d'un père juif,
C'était pas très commode. Bon. Et bon, ces papiers qui ont disparu. Ces papiers ont disparu en 45 quand la mairie de Berlin a brûlé. Bon, donc il était apatride, c'est-à-dire qu'il avait un passeport des Nations Unies, ce qu'on appelait le passeport Nansen à l'époque, passeport des Nations Unies, qui est bon, qui a une garantie, mais partielle seulement, qui permet de voyager avec un peu de difficulté, mais enfin, avec ça on peut obtenir un visa pour un pays, mais enfin c'est quand même compliqué. Et pendant longtemps il a refusé, moi, j'ai eu de nombreuses discussions avec lui, mais pourquoi tu ne te fais pas naturaliser français, ça simplifierait les choses. Oui, mais je suis obligé de faire mon service militaire. Il n'en voulait absolument pas. Il faut dire que c'était la guerre d'Algérie. Hein. Moi, j'ai fait mon service militaire pendant la guerre d'Algérie et je pourrais en parler une soirée, je n'ai pas envie de le faire maintenant. Ce n'est pas le moment maintenant. Mais enfin bon, donc il a refusé. Et ça lui a compliqué beaucoup la vie. Et puis bon, mais finalement, on lui a trouvé un poste en France et un poste qui était tout à fait à sa mesure. Ben, c'est l'institut où je travaille aujourd'hui, enfin où je suis retraité à vie. C'est ça ma position, retraité à vie, dans un institut de recherche international qui est situé dans la banlieue sud de Paris, dans l'énorme complexe autour de Saclay. D'ailleurs, on a créé un monstre, une usine à gaz qui s'appelle l'Université Paris-Saclay. Il y a 25 laboratoires ou établissements d'enseignement supérieur qu'on essaie de rouper très artificiellement. Bon, enfin bon, c'est un autre problème. Donc, cet institut, l'IHES, il a été créé en 58. Il a été créé pour lui. Essentiellement pour lui. Bon, c'était pas le projet initial, mais très vite, c'est apparu que c'était lui. Et c'est lui, si on est en une réputation qui est méritée, je crois, c'est lui quand même qui a été les 12 premières années là et qui a fait la gloire instantanément d'un institut qui se crée dans rien du tout. Bon, ce serait un autre sujet de donner des détails, mais enfin, aujourd'hui, c'est un institut très réputé et international. Et où il a été la star pendant une douzaine d'années. C'est lui qui a fait la réputation, il a attiré des visiteurs, Et pendant 12 ans, il a complètement rebouleversé le paysage mathématique, hein, complètement rebouleversé. Et les mathématiques après lui ne sont plus les mêmes qu'avant. Ça, c'est clair dans bien des domaines. Et 50 ans après, moi chaque jour quand je lis un travail mathématique, j'ai une discussion, j'assiste à un exposé, je vois son nom. Bon, pas dans tous les domaines mathématiques, dans un certain nombre de domaines mathématiques, son nom est là tous les jours, et on cite ce qu'il a fait. Et ses grandes idées, les plus grandes idées qu'on appelle les motifs, je dirais peut-être un mot tout à l'heure là-dessus, ces plus grandes idées, elles ont mis 50 ans à germer. Il les a énoncés vers 65. J'ai retrouvé une affiche qui annonce un exposé de lui en 65. Et puis, c'est aujourd'hui, en 2015, qu'on arrive quand même à faire fructifier ça. Et une idée si extraordinaire que les physiciens s'en sont emparés. Enfin, on a été quelques-uns à faire le pont entre les mathématiques de Grothendieck et la physique. Et aujourd'hui, c'est un des programmes les plus prometteurs de recherche en physique. Un des programmes, pas le seul, un des programmes les plus prometteurs, c'est de développer les idées de Grothendieck, ce que nous appelons maintenant le groupe de Galois cosmique. Bon, enfin bon, cosmique, c'est pour dire que c'est l'ambition de ce que c'est. Bon, voilà. Donc Grothendieck, pendant 12 ans, il est là, le maître incontesté, il est entouré de... Bon, il y a une équipe improbable, parce qu'il y a trois personnes qui collaborent. Il y a Jean-Pierre Serre, qui était une des autres grandes stars de l'époque, mathématicien, tout à fait un style différent. Lui, Grothendieck a toujours eu ce style un peu bourru, un peu brusque, etc. Jean-Pierre Serre, c'est comme son maître Cartan, c'est un protestant, enfin bon, même si un petit-fils de pasteur de Montpellier. Bon, vous voyez ce que c'est qu'un petit-fils de pasteur de Montpellier. Bon, donc une grande dignité, grande finesse, grande culture, pas du tout un troublion. Bon, or, ils ont collaboré. Ils ont réussi à collaborer. C'était absolument étonnant. On a d'ailleurs publié leur correspondance, un petit peu expurgée, parce que les lettres un peu trop personnelles, on ne les a pas publiées, ce qui est normal, mais les lettres scientifiques sont publiées. Et puis, il y a un troisième larron qui s'appelle Dieudonné. Dieudonné, c'est un autre personnage mythique de cette époque-là. L'Institut a été fondé, l'IHES a été fondé autour de lui et il a accepté de venir qu'à condition que Grothendieck vienne avec lui. C'est lui qui a introduit Grothendieck. Bon, pour vous donner une idée du personnage, bon, il a écrit, je ne sais pas, 20 000 ou 30 000 pages de mathématiques. Il a
Et à 65 ans, quand l'IHS est bien en route, il dit, oh bon, ben, je sais plus là, on n'a plus besoin de moi, je vais aller ailleurs. Sa femme avait envie d'aller dans le Midi. Qu'est-ce qui se passe dans le Midi? Ben, on est en train de créer une université à Nice. Ben, il sera le premier patron de l'université de Nice. À 65 ans, il crée une université. Et pour conclure, à 70 ans, il y a un congrès mondial des mathématiques qui se tient, qui se tient tous les 4 ans normalement, qui s'arrange pour le faire à Nice, et il en est le patron. Donc à 65 ans, il devient le créateur d'une nouvelle université, à 70 ans, le leader d'un congrès mondial de mathématiques. C'est pour vous donner une idée du personnage. Il mesurait 2 mètres de haut, pesait 110 kilos, bon, avait une voix à remplir cette salle, etc. Il était passé chez Pivot. Et il était passé chez Pivot, bien sûr. Il était passé chez Pivot. Bon, donc, c'est pour vous dire qu'on a vécu une période extraordinaire. Mais alors, Grothendieck, lui, c'est quand même le roi, un des rois de l'époque. Et comme l'a dit répété un collègue américain qui était à Harvard, Boston, un des grands centres scientifiques, un grand centre universitaire américain. Et Harvard, il me disait, bon, lui, son patron, c'était un Zarisky, un autre juif ukrainien, à peu près du même secteur que le père de Grothendieck, qui avait émigré aussi, etc., mais qui était un des grands patrons des mathématiques américaines à l'époque. Et Zarisky, qui avait une soixantaine d'années, a dit à ses collaborateurs, il y a quelqu'un de nouveau là-bas. Nous, on a des problèmes, mais nos méthodes sont un petit peu épuisées. Lui, il a des méthodes et il n'a pas de problème. On va se serrer la main, on va apporter nos problèmes et lui, il nous apportera ses méthodes. Et ça a été extraordinairement fructueux. Zarisky a envoyé tous ses étudiants à l'IHS. C'était une générosité incroyable de sa part, parce que c'était quand même un des grands patrons de la science américaine. Après avoir été, bon, il était né donc en Ukraine, dans le nord de l'Ukraine, il avait émigré en Italie, enfin bon, je ne vais pas vous refaire décrire les années 20 et 30 de l'Europe. Bon, voilà. Voilà, donc ça c'est la deuxième phase, c'est le grand scientifique et son héritage. Ben, son héritage, c'est à peu près 10 000 pages publiées, plus les articles de revue qu'on est en train de rassembler pour publier sous forme de volume, mais ses livres, les exposés qu'il a fait, enfin son programme de travail avec tous ses collaborateurs, ça fait plus de 10 000 pages. Il faut les lire, faut les lire. Moi, j'ai la pile comme ça sur mon bureau et je la consulte en permanence. Voilà. Bon, alors ça conclut à peu près la deuxième époque. Alors, tout d'un coup, il claque les murs, il claque les portes, sans que ce soit vraiment facile de comprendre pourquoi. Il y a eu la médaille fixe en 1966. Oui, alors en 1966, le congrès, j'ai parlé du congrès mondial à Nice en 70, mais la version d'avant, 4 ans plus tôt, c'était à Moscou. Et je me souviens de ce qu'il m'a dit. Là, il a eu la plus grande récompense qu'on appelle la médaille Fulge, que les gens veulent comparer au prix Nobel. Bon, c'est vrai ou pas vraiment, enfin, c'est pas d'importance. En tout cas, c'est une des plus hautes récompenses internationales en mathématiques. Et il l'a. Et je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec lui à l'époque. Il me dit, Moscou, hein, mon père a été condamné à mort 2 fois en Russie. Une fois par le tsar, une fois par Lénine. Est-ce que je dois y aller? Alors, je n'ai jamais vraiment su s'il a déposé une demande de visa qu'on lui a refusée ou s'il n'en a pas déposé. Pour moi, ça ne reste pas très clair. Le résultat est le même. C'est que finalement, il n'y est pas allé et que ça a soulagé les soviétiques qui ne viennent pas. Parce que son père était considéré comme un ennemi public numéro 1. Bon, et puis, ils avaient peur qu'il fasse du bruit, parce que c'était quelqu'un à faire du bruit. Donc, bon, il n'est pas allé. Il a envoyé quelqu'un d'autre à sa place chercher la médaille. Et puis après, il l'a vendue aux enchères. Bon, la médaille, c'est symbolique parce que je crois que le prix qui va avec est de 5 000 euros, quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est rien du tout. Bon. Donc, il l'a vendu aux enchères. Ah oui, c'est ça. Pendant la guerre du Vietnam, quand on faisait des collectes, s'appelait le bateau pour le Vietnam, c'est-à-dire qu'on collectait tout ce qu'on pouvait aider les populations civiles au Vietnam martyrisées par la guerre. Alors, 66, et c'est là que moi j'étais un peu moins proche de lui à l'époque parce que j'étais à Strasbourg et lui il était à Paris. Et c'est là que, d'après ceux qui étaient proches de lui, il a commencé à virer. Ça a été un choc. Le choc s'explique psychologiquement. Je vous ai raconté son enfance. Une enfance d'enfer. Le malheur,
c'est qu'il a vécu une enfance d'enfer et qu'il a fait vivre une enfance d'enfer à ses propres enfants. Mon beau-frère, qui est pédiatre, me dit, tu sais, c'est fréquent, c'est fréquent. Les enfants martyrisés ou abusés, ils abusent à leur tour leurs propres enfants. Bon, donc, mon beau-frère, qui vient de décéder, pédiatre de très grande renommée, m'a dit que, bon, que ça ne le surprenait pas. Donc, ses enfants, il a refusé qu'ils aillent à l'école. Il y en a un qui vit dans une caravane au milieu des bois. Bon. Et il a une fille qui est partie, qui a, suite d'une engueulade avec son père à 13 ans, a disparu pendant 8 ans. De 13 ans à 21 ans. Sans qu'il la fasse rechercher. Aux environs des années 70. Elle a dû traîner d'une commune hippie à une commune hippie. Alors on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ah non, tu me vois aller chez les flics? c'est pas mon genre d'aller chez les flics. Elle est partie. Alors c'est là que les choses ont commencé à déraper. D'abord dans sa famille, les choses n'allaient plus très bien. Et puis, comme je l'ai dit, sa fille est partie à 13 ans. Bon. Et puis, lui qui avait été donc une enfance martyrisée, il se découvre un pontife à l'échelle mondiale. C'est pas très facile à supporter, hein, ça. Le contraste entre les deux personnalités. Il n'avait pas cherché d'être un pontife, mais son talent, il n'a pas eu à se battre pour ça. Son talent était tellement évident, il a été immédiatement reconnu à sa valeur par tout un cercle de gens qui ont été autour de lui, qui l'ont aidé, qui ont collaboré, etc. Donc, et ça lui a été très difficile d'admettre ça. Et alors, lui qui a toujours été un dissident parmi les dissidents, c'était l'époque de la guerre du Vietnam, entre les Américains et le Vietnam. Bon, tout d'un coup, nous, on était toute une équipe nombreuse à nous battre contre la guerre du Vietnam, autour de Laurent Schwartz, comme je vous ai dit. On était toute une équipe. Bon, moi, je suis allé un nombre invraisemblable de fois au Vietnam, après, pas pendant la guerre, juste après la guerre, et pour créer la science là-bas, aider à créer la science là-bas. On m'a dit, mais tu ne sais pas qu'il y avait une dictature, une communiste là-bas? Oui, je sais. Et qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Aider les gens qui veulent s'en sortir, et apporter une petite goutte de liberté. Peut-être que ce sera une petite goutte, mais enfin, une petite goutte de liberté. Je crois que ça a pas mal poussé, les petites gouttes de liberté. Pas tout, mais enfin bon. Et alors donc, tout d'un coup, lui, alors qu'on était mobilisé, que c'était, il y avait un mouvement très actif, très structuré, il s'en va, sans dire rien à personne, s'en va. Et on a une photo de lui. À l'époque, à cause des bombardements d'Hanoï, l'université était réfugiée dans la forêt, et on le voit, lui, au milieu d'étudiants réfugiés à la forêt, en tenue semi-militaire, évidemment, en tenue semi-militaire. Et bon, il est là au milieu, mais il est arrivé. Sans nous dire quoi que ce soit, sans nous contacter, alors que nous, on avait quand même des contacts assez sérieux et une action structurée. Non, c'était son genre. Bon, et puis alors après, arrive 68, et le jour où il va, l'université d'Orsay était toute proche de son institut, il y avait beaucoup d'agitation, il arrive devant l'amphi, et il croyait, lui, ah, une révolution anarchiste, ah, c'est le rêve de mon enfance, ah, ce serait le rêve de mon père, etc. Oui, son père est mort à Auschwitz, j'ai oublié de le dire en passant, livré par Vichy, bien entendu. Et alors, il arrive là-bas, et les étudiants disent, bah, toi, qui t'es une star mondiale, t'es un patron, on n'a pas envie de toi. Il a été extrêmement choqué, ça les témoignages, moi j'y étais pas, mais ceux qui étaient là ont rapporté qu'il avait été extrêmement choqué. Il a voulu renouer ses deux vies, sa première et sa deuxième, je viens de vous parler de la première et la deuxième, il a voulu vous renouer ses deux vies, et alors là, bon, l'après 68, c'est l'époque, bon, et lui il est un des fondateurs de l'écologie radicale, aujourd'hui, bon, les gens le reconnaissent, comment il s'appelle, je ne sais plus, enfin, à sa mort, qu'est-ce qu'il a parlé, donc je sais plus, enfin, un des leaders historiques des Verts, j'ai retrouvé son nom, il a fondé Vivre et Survivre. Oui, c'est ça, alors il a fondé un groupe qui s'appelait Vivre et Survivre. Bon,
Et alors, le témoignage le plus étonnant qu'on ait... Bon, alors d'abord, il y a un livre d'une jeune femme qui s'appelle Cécile Bessis, si mon souvenir est correct, qui justement était une analyse de l'énocologie radicale des années 70. Céline Bessis. Très, très bon livre, je vous le recommande. Très bien documenté, qui explique toutes les diverses tendances, les divers mouvements, leur influence, etc. Très, très bon, et qui fait une large place à Grothendieck. Céline Bessis. Bon, c'est un livre, Écologie radicale, je ne sais plus comment s'appelle le livre. Il est là, il fonde son mouvement, Survivre et vivre. Et le témoignage le plus étonnant qu'on ait, enfin le plus sûr qu'on ait, c'est qu'il a fait en 1972 un exposé au CERN à Genève, le grand centre nucléaire européen de Genève, et il explique, c'est bien tout ce que vous faites, mais dans 5 ans, il n'y aura plus rien. De toute façon, le monde va disparaître d'ici 5 ans. Bon, le danger de la guerre atomique à cette époque-là, on est juste après l'affrontement sur Cuba entre Khrouchtchev et 62, l'affrontement entre Khrouchtchev et Kennedy, on est passé à un cheveu d'une guerre terrible. On est passé à un cheveu. Bon. Ce que dit la légende, c'est qu'un soir, l'ambassadeur soviétique à Washington, qui était un vieux routier, qui connaissait tout le monde, qui était un ambassadeur très habile, se fait attraper dans un coin, une réception à la Maison Blanche, par le frère de Kennedy, Robert Kennedy. Robert Kennedy l'attrape par le bras et lui dit: « Mon vieux, demain, chez moi, à 7h du soir, tu viens tout seul et je serai tout seul. » Et on règle nos comptes. Et apparemment, enfin, c'est ce qui a été dit, apparemment, la crise de Cuba a été résolue dans ma home, le représentant soviétique et le frère du président qui était l'homme de confiance du président, et peut-être plus puissant que le Et bon, ils ont discuté toute une soirée, toute une nuit, ou je ne sais pas combien, enfin très longtemps. Et à la fin, ils sont arrivés avec un compromis raisonnable pour tout le monde. Bon, et on a échappé sans doute à une guerre épouvantable. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, les sous-marins nucléaires soviétiques étaient autour de Cuba et que un sous-marin nucléaire, ça ne communique pas. Donc le patron, le commandant du sous-marin, il est maître total. Et si on lui avait lancé, s'il y avait un navire américain qui lui avait lancé une grenade, il aurait riposté. Bon, on est vraiment passé au ras du drap. Bon, alors Grothendieck, le risque de guerre nucléaire à l'époque était très sérieux, il l'est quand même beaucoup moins aujourd'hui, beaucoup moins malgré les difficultés, les tensions, mais à l'époque c'était un danger vraiment imminent. Et Grothendieck arrive à 72 au centre nucléaire, au centre civil, hein, le centre civil. Genève, c'est un centre, le CERN, c'est un centre civil. C'est de la recherche civile, pas de la recherche militaire. Mais bon, soyons pas hypocrites. La frontière entre recherche nucléaire civile et recherche nucléaire militaire. Il donne une conférence qui s'appelle Faut-il poursuivre la recherche ? Alors, c'est devant le grand amphithéâtre là. Alors, c'est enregistré, vous le trouverez sur Internet. C'est enregistré et c'est disponible. C'est librement disponible. Vous le cherchez, CERN, Grothendieck, vous le trouverez. Et alors, je l'ai encore réécouté hier. Et alors, c'était étonnant, c'est que bon, de son enfance en Allemagne, j'oublie de dire que quand il est arrivé en France, il ne savait que l'allemand. Et quand moi, je l'ai connu 10 ans ou 15 ans plus tard, il vivait avec sa mère, il ne parlait qu'allemand. Et quand je parlais avec lui, moi je sais assez bien l'allemand, pour sentir que quand il y avait une construction un peu bizarre en français, c'est qu'il l'avait pensé en allemand et qu'il me l'avait retraduit en français. Il aurait pu me parler allemand, ça ne me gêne pas moi. Bon, mais je veux dire, bon. Et là, mais il retraduisait en français. Et là, il a un accent à couper au couteau, Mais c'est quelque chose de poignant, à la fois génial et naïf. Dans 5 ans, il n'y aura plus rien. D'ailleurs, la science sera fichue, etc. Bon. Et il y a des choses extrêmement profondes, le danger de la guerre nucléaire était très réel à l'époque. Et en même temps, il y a des naïvetés complètes. C'est le personnage. Un contraste absolu entre une naïveté totale et une intelligence hors du commun et une naïveté totale. Ça, c'est bon. Bon, alors finalement, en 70, au moment de ce congrès mondial des maths à Nice,
Bon, alors, donc là, il coupe les ponts. Il coupe les ponts. Sa dernière manifestation publique, 172 à Genève, mais là, il avait déjà coupé les ponts. Il faut dire que dans cette période très agitée, je me suis trouvé assez proche de ses positions politiques un certain nombre de fois, mais que c'était un allié redoutable. Parce que bon, la politique, ça nécessite quand même la négociation, bon, de donner, de prendre, de recevoir, de donner, enfin bon, etc. Donc c'est la politique, c'est de la négociation. Bon, et lui, il était absolument étranger à cette idée de la négociation. Je pourrais citer un certain nombre d'incidents où il était complètement incapable de négocier. Et quand on avait construit une structure politique compliquée, délicate, etc., il arrivait comme l'éléphant dans un magasin de porcelaine, il bousculait tout. Je pourrais raconter un certain nombre d'épisodes comme ça, où il a, à mon avis, il a saboté des chances. Bon, il y avait des chances de discussion très sérieuse sur des problèmes qui étaient réels. Bon, et quand il arrivait dans une salle où, a priori, les gens étaient favorables, à peu près sur la même hypothèque que lui, au bout d'une demi-heure, il partait et tout le monde était contre lui. J'ai vu ça un certain nombre de fois. Il réussissait à retourner. Il y a des politiciens qui sont très habiles pour retourner une salle en leur faveur. J'ai rencontré Mitterrand, pas intimement, mais enfin, j'ai vu Mitterrand plusieurs fois dans des situation comme ça, où il arrivait, il était, quand il y avait une salle qui était bou, 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 il était heureux. Et 10 minutes après, il avait conquis la salle. Il avait un talent remarquable pour ça. Je me souviens d'une rencontre avec des étudiants où il était, on n'était pas très, c'était une partie de mes étudiants, on n'était pas très heureux parce qu'on avait un peu peur d'un affrontement. Il arrive. Et c'était juste à la fin de son second mandat, il était très très faible. Physiquement, ça se voyait. Il monte sur l'estrade. Plus un bruit. Il commence son discours, il avait des notes, évidemment, qu'on lui avait préparées, évidemment, ça c'est normal. Mais il improvisait génialement. Il a retourné la salle, et c'était ça qui lui plaisait, affronter une salle partiellement hostile, et la retourner. Bon, mais quand on dit qu'il a abordé une salle fortement dans son, qui allait fortement dans son sens, et il l'a retourné contre lui. Bon, alors après, bon, donc il fonde, alors quelques années, puis après, il y a un épisode qui est un petit peu souterrain. Il est à Montpellier. Il est retourné dans l'université où il avait été étudiant, qui à l'époque n'était pas, bon, bon, je ne vais pas dire de mal de collègues, mais enfin d'une université que je connais d'ailleurs, bon, dont le vice-président était de mes anciens étudiants, donc je ne vais pas dire trop de mal de l'université. Bon, mais c'était quand même pas une des grandes universités. Et alors là, bon, il se conduit, bon, il met en action toutes ses thèses libertaires. Bon, le cours, ça se passe sur la pelouse. À Montpellier, on peut faire un cours sur une pelouse, c'est certain. Avec un pique-nique, il faut faire des montages en carton, etc. Bon. Et à la fin de l'année, il offre aux étudiants, je vous mets à tous 10 ou à tous 20. Bon. Bon. Et là aussi, je l'ai fréquenté à plusieurs reprises et il était bon, c'était un enseignant hors norme. Et malheureusement pour lui, il a eu quelques étudiants, mais dont aucun n'était du niveau de ses collaborateurs précédents. Il a eu des idées originales. De temps en temps, il se remettait à faire des maths, comme boum. Pendant 6 mois, il s'enfermait, il écrivait. Et puis bon, les textes n'étaient pas publiés. Il y en a certains qui ont été découverts après coup. Qui ont été très très profs, dont on a tiré grand profit. Bon, mais il était quand même un professeur médiocre d'une université relativement médiocre. Relativement, je dis bien. Bon. Et quand il a eu quelques élèves, bon, il a eu quelques vrais élèves qui avaient du talent, mais il s'est arrangé pour se fâcher avec eux. J'ai eu quelques incidents pénibles. En particulier, où le jour de sa soutenance de thèse, il avait insisté pour. Ce qui n'est pas l'usage que le président de la soutenance soit le directeur de la thèse, c'est pas l'habitude, bon, enfin bon, il avait insisté pour l'être. Et puis il est arrivé, il monte sur l'estrade, il dit, bon, cette thèse, je ne l'ai pas lue, je ne la lirai pas et je l'emmerde. Et il sort. Alors on était les deux ou trois autres, on se regarde, qu'est-ce qu'on fait. Bon, alors on dit, bon, on a joué, sur, on a fait de telle sorte que les choses soient légales. Hein, je dis, bon, on n'a pas fait d'illégalité, on s'est arrangé pour que les choses soient légales.
Bon, sur le compte-rendu, on a mis qu'il était absent. ce qui n'est pas illégal du tout. Les jurys sont souvent nombreux, et bon, si quelqu'un est mort, il n'est pas là, parce qu'il n'est pas possible. On met absent, puis c'est tout. Il se passe. Donc, bon, on a hâtivement renommé un président entre nous. Qu'est-ce qui va présider ? C'est toi, c'est moi, etc. Bon, on a improvisé, et on a fait la soutenance. Enfin, vous pouvez imaginer l'atmosphère. Mais ça, c'était son caractère. Je ne sais pas pourquoi il s'était fâché avec cet étudiant. Bon, alors après, bon, il a fait ça. Il habitait dans des endroits divers. Il habitait pas loin de la fontaine de Vaucluse. Mormoiron, ça s'appelle, enfin, la fontaine de Vaucluse. Tout près des Alpilles. Et puis, il a habité à Villequin, près de l'Audet. Enfin, il a habité à un certain nombre d'endroits. Sa maison, c'était la cour des miracles. Il y a eu une histoire invraisemblable où un jour, bon, c'était les années 70, bon, il y avait quand même pas mal de communautés hippies dans ce coin-là, et ça ne plaisait pas à tout le monde. Bon. Un jour, une descente de police chez lui, bon, routine, vérifiant, bon, il vérifie tout le monde, bon, il vérifie qui est là, bon. Et puis il y avait un malheureux moine bouddhiste qui avait été étudiant en mathématiques, un moine bouddhiste japonais qui avait été étudiant en mathématiques en Inde, bon, dans le meilleur institut, la meilleure université indienne, et qui était arrivé. Bon. Et malheureux avait un visa expiré depuis 15 jours. Chacun de nous, un universitaire, connaît quand même la chanson. Je veux dire, si on a un étudiant qui a une petite difficulté, on s'arrange pour rencontrer quelqu'un à la préfecture. Allez, tu m'arranges ça. Bon, c'est standard, hein, je veux dire. Moi, j'ai eu aussi, moi, à régler des situations un petit peu pénibles pour des étudiants. Bon, permis de séjour ou des choses comme ça, bon, ben, on sait ce qu'il faut faire. On sait, en tout cas, si ce n'est pas soi directement, il y a quelqu'un dans l'administration de l'université qui sait où intervenir pour régler l'affaire. Bon. Mais lui, ce n'était pas son genre. Bon, non. Ça aurait pu être réglé en 8 jours par une intervention par l'université, mais non. Alors, 6 mois après, il reçoit une convocation au tribunal. Il avait violé un arrêté de 42, en fait c'était 45, mais enfin il croyait que c'était 42, qui punit les gens qui accueillaient des étrangers indésirables. Bon, alors il va au tribunal, et c'était compliqué. Il a insisté pour être son propre avocat. On lui a dit, mais écoute, la loi le permet, mais le bon sens ne le permet pas. Plusieurs fois, il y a une histoire de régler le sort de ses enfants, enfin une histoire compliquée de garde d'enfants, et où il était son propre avocat. On lui a dit, écoute, ton cas est déjà pas très solide, mais si t'es ton propre avocat, tu sabotes encore plus. Bon. Alors là, il a insisté pour être son propre avocat. Et je me souviens d'une soirée assez compliquée, où il était venu à Paris, on était un certain nombre, on s'était mobilisés, pour lui bien sûr, on s'était mobilisés pour lui, et on a fait venir le président de la Ligue des droits de l'homme, Maître Leclerc, qui a dit, oh, vous savez, moi, ces histoires-là, je suis prêt à plaider gratuitement. Oh, non, c'est pas la question. Et on a passé toute une soirée, il y avait Grothendieck, il y avait Maître Leclerc et quelques autres, à persuader Grothendieck que plaider lui-même, ce n'était pas la bonne chose. Alors, finalement, on est arrivé à un compromis. Il a écrit un texte qui est magnifique, magnifique, se référant à Socrate, à Gandhi, enfin, un texte absolument imbattable, magnifique. Bon. Et à la fin, la conclusion, c'est bon. Sur le plan formel, je plaide coupable. J'ai hébergé quelqu'un qui n'avait pas de permis de séjour en règle. Sur le fond, je plaide coupable. Et, bon, naturellement, n'importe quel juge qui le juge, non pas sur la formelle, mais qui juge en conscience, me relaxe. Mais moi, je veux, puisque la loi est contre moi, et que je suis coupable au regard de la loi, je demande la peine maximum. Et si le juge est un lâche, il coupera la poire en deux, ce qu'il a fait. On lui a donné 6 mois de prison avec sursis, etc. Et bon. Et alors après, à la fin de cette plaidoirie, il a dit, ben maintenant, je demande à Maître Leclerc, qui était là à son côté, de présenter les conclusions en forme juridique. C'est ce qu'on avait obtenu après une négociation extrêmement longue, ça avait duré toute une soirée. Allez, c'est ce qu'il faut faire. Maître Leclerc, tu prends la parole, mais après lui, Maître Leclerc prend la parole. Et lui, bon, lui, c'est un juriste réputé, un avocat réputé, qui impressionnera.
Et le jour du procès, il y a un charter spécial qui est venu à Montpellier. Tous les gens qui, du comité de soutien, il y avait toute une série de gens fort connus qui est le comité de soutien qui était venu. Bon, par exemple, il y avait, je crois qu'il il y avait Maître Leclerc qui était son avocat, mais il y avait Raymond Aubrac qui était là. Enfin bon, enfin je veux dire tous les héros, enfin tous les gens incontestables de la résistance, etc., qui étaient venus dire bon. Nous, on s'est battu contre ce genre d'arrêté pendant la résistance. On ne veut pas recommencer. Et il y avait comme ça, il y avait j'exagère peut-être en disant 200, mais enfin, un grand nombre de gens tous fort connus. Et le juge avait arrivé, il croyait qu'il avait arrivé une petite affaire de vol de poule, etc. Compte tenu qu'il avait réussi son coup. On en a parlé. Bon, c'est une des dernières manifestations publiques. Puis alors après, en 91 ou 92... il a eu 60 ans en 88. Là, il a demandé officiellement sa retraite de l'université. Bon, il était professeur de classe exceptionnelle. Il avait une retraite fort, fort confortable. Bon, et alors, j'ai le témoignage de sa compagne de l'époque, parce que le nombre de ses compagnes, il est nombreux. Elles sont nombreuses. Bon. Et alors, sa dernière compagne que j'ai rencontré il y a quelques années, m'a expliqué qu'un jour, il vient vers elle, il dit, tu sais, la maison qui est à nous, maintenant, elle est à toi. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, je m'en vais. Et tu ne cherches pas à me suivre. Et ne dis pas à mes enfants où je suis. Et il a disparu. Il était dans l'Ariège, à La Serre, c'est près de Saint-Foy. C'est ça, Saint-Foy. Oui, c'est Saint-Girons. Bon, il était là, bon, il vivait dans un tout petit village, les gens ont deviné progressivement qui il était, mais enfin bon, c'était l'ermite. Vous l'avez trouvé? Moi, je l'avais trouvé en rusant. C'était un secret, mais enfin bon, ma fille m'a dit, t'aurais dû être détective. Bon, j'avais rusé, bon, en gros, par sa femme m'ayant dit qu'il lui versait une pension, ben, je suis remonté par la banque. Je ne sais plus si elle m'a dit la banque, mais enfin, en tout cas, il n'y avait pas beaucoup de choix. Bon, ben, en remontant par la banque, en demandant des renseignements à la banque, et je dois dire que les employés de la banque ont été parfaitement professionnels, ils n'ont jamais violé le secret professionnel, mais m'ont donné quand même assez d'informations pour que je me retrouve. Des informations qu'ils avaient le droit de me donner, non. Bon, mais enfin, bon. Par déduction, ça c'est vraiment une déduction scientifique. Ce que me dit une petite employée du Crédit Mutuel de Saint-Girons, Monsieur Grothendieck, après une hésitation, je peux imaginer qu'il y avait son patron derrière elle qui la surveillait, qu'elle avait mis l'amplificateur du téléphone pour pas dire de blagues, et qui lui faisait des signes. Je peux imaginer, c'est du vrai pagnol. Et alors, donc, elle était là, oui, Monsieur Grothendieck, il est de vos clients, oui, avec une hésitation. Bon, elle me dit c'est à quel sujet. Elle ne me dit pas oui, mais elle me dit c'est à quel sujet. J'avais accroché là. Ben, j'avais été rebuté plusieurs fois dans des agences où on me disait non, on ne le connaît pas, non, etc. Bon. Ah, c'est à quel sujet? Ah, ça y est, j'ai accroché. Alors c'est à quel sujet? Ben voilà, écoutez, je suis désolé, mais enfin, bon, j'ai un regret, un remords, c'est qu'il y a très longtemps, je lui ai emprunté de l'argent, nous avons une dette entre nous, et je voudrais rembourser. En fait, c'était plus subtil. Je lui devais de l'argent, mais c'était des droits d'auteur qui m'avaient été envoyés pour lui. Et que je devais lui remettre. Voilà. L'éditeur m'avait dit, bon, ben, je vous les confie, puis vous vous arrangez pour lui remettre. Bon. Alors, bon, donc, j'ai une dette. Bon, c'était vrai. Enfin, j'ai une dette. Et je suis embarrassé, j'aimerais la rembourser. Alors bon, hésitation. Vous avez un compte? Évidemment que j'ai un compte. Alors, quelle banque? Crédit Agricole. Bon, ça va. C'était pas le Crédit Agricole, c'était Crédit Mutuel ou je sais pas quoi. Bon, ça va. Et vous savez ce que c'est qu'un chèque de banque? Ben, tout de même, vous savez ce que c'est qu'un chèque de banque. Vous savez bien ce que c'est qu'un chèque de banque. Un chèque certifié. Alors, bon, quand vous achetez une maison, une voiture, on n'a pas confiance en vous, on vous demande un chèque de banque, c'est-à-dire que la banque s'engage à payer dans toutes conditions. Bon, un chèque de banque. Ben voilà, vous demandez à votre banque de nous faire un chèque de banque. Vous nous le transmettez et nous, on sait le transmettre à notre client. Impeccable. Il y a des employés de banque qui savent leur métier. Bon, mais après ça, j'avais assez de renseignements pour trouver où il était. Bon. Et la dernière fois où je l'ai presque vu, ben, c'était il y a une vingtaine d'années. J'étais en vacances à Toulouse avec ma femme et on a
pour diverses raisons, on avait décidé de louer une voiture et de faire le tour. On est allé jusqu'à Andorre, on a visité toutes ces montagnes, toute cette région entre Toulouse et les Pyrénées qui est magnifique. Et puis un soir, on regarde la carte, on dit, ben, il est là, 5 km de nous, qu'est-ce qu'on fait ? Longue discussion avec ma femme. Et, qu'est-ce qu'on va le voir ? Alors ma femme me dit, écoute, moi j'ai le souvenir d'un très bon ami de notre jeunesse. D'après ce qu'on sait, il est devenu fou. Quand on va arriver, si on sonne chez lui, il va nous cracher à la figure ou nous insulter, etc. Je veux pas ça. Je veux garder dans mon souvenir le souvenir de notre ami de jeunesse, dont on était très, très proche, etc. Bon, c'était difficile de répondre à ça. Alors le compromis, ça a été... Les compromis, vous comprenez que je n'aimais pas ça, mais enfin, le compromis, ça a été que, bon... On arriverait vers midi, parce qu'on savait qu'il sortait de chez lui vers midi, pour prendre son courrier. On arriverait, le village fait 300 mètres de long, la route principale fait quoi, un demi-kilomètre, en fait, c'est un tout petit hameau. On arriverait à midi moins 5, on marcherait au pas, on roulerait au pas pendant un quart d'heure ou 20 minutes, le temps de le laisser sortir. Si on le voit sortir, on va le saluer, mais sinon on ne fera pas de son. Bon, c'était le dernier contact. Non, le dernier contact, c'est une lettre que je lui avais écrite, que, bon, à une époque où il y avait quand même des gens qui connaissaient ça, je lui ai écrite, et elle m'est revenue refusée. Avec, et c'est une écriture que j'ai bien connue, refusée. Vous savez que la poste, c'est légal, hein, ça. Vous n'êtes pas obligé d'accepter un courrier. Mais il ne faut pas l'ouvrir. Mais vous le redonnez au facteur en mettant refusé. C'est retourné à l'envoi. Alors la lettre, bon. Mais quelques jours après, j'ai reçu une lettre d'injure. Se référant à cette lettre qu'il n'avait pas lue. Qu'est-ce que je pouvais faire ? Bon, donc, c'est... Est-ce qu'on dit un petit mot quand même d'un des concepts importants mathématiques qu'il a introduit ou pour lesquels il est connu ? Je ne sais pas, essayer de décrire, au moins donner une analogie de ce que pourrait être un schéma ou... Oui, bon, bah, et puis ensuite, on voulait parler de son œuvre littéraire, ou dire quelque chose. J'ai déjà dit quand même. Oui, c'est vrai. Je crois que j'en ai déjà parlé, bon, suffisamment. J'avais prévu de faire ça d'exposer, mais je l'ai fait au début. C'est... Bon, donc, moi, je souhaite que ça paraisse. Il y a deux éditeurs sur la piste. Actes Sud, qui est une maison très originale. Comment je vous ai dit, donc. Odile Jacob, qui est aussi une maison d'édition intéressante. Mais bon, est-ce que ça se fera ? J'en sais rien. Bon, surtout que bon, les héritiers sont dans la piste et c'est très très difficile. Ils s'entendent pas entre eux. Bon, comme je vous l'ai dit, l'avocat que j'ai consulté là-dessus m'a dit : oh, tu sais, il y en a pour 10 ans. Dans ce genre de procès, il y en a pour 10 ans. Enfin, les documents qu'on a récupérés à sa mort, c'était 40 000 pages manuscrites. Bon, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. À la fois, des choses, sans doute des choses géniales et des choses complètement folles. Un mélange de choses géniales et de choses folles. Par exemple, il parlait, chez lui, il avait plein de plantes et c'était ses amis, les plantes. Mais aussi des pages sur la création mathématique. Ah oui, il y a des sur pages. Sur la notion d'espace. Oui, il y a des pages extrêmement intéressantes. Bon, mais bon, on verra si ça se publie. Déjà, j'avais essayé d'être servi d'intermédiaire pour la récolte des semailles il y a 25 ans, quand l'éditeur Bourgois était très intéressé. Il m'avait dit, ces 1000 pages, c'est trop gros, tu m'en extrais 300 pages et je les publie. J'ai dit, je veux bien faire le boulot de s'en extraire 300 pages, mais il va refuser. C'est clair qu'il voulait le tout. Bon, alors, juste pour terminer sur ces créations mathématiques, bon, Grothendieck s'est comparé, à mon avis, juste titre, à Einstein, parce que Einstein s'intéressait à une des obsessions d'Einstein, qu'est-ce que c'est que l'espace ? Qu'est-ce que ça veut dire l'espace ? Et le temps. Et Einstein est très célèbre pour avoir donné plusieurs solutions à ça, qui sont, bon, solutions, ce qu'on appelle la relativité générale, ou plutôt gravitation d'Einstein, qui a fait l'actualité récemment, puisqu'on a observé ce qu'on appelle une onde de gravitation. C'est-à-dire, bon, quand deux étoiles, super étoiles, qui s'appellent des trous noirs, se fusionnent en deux, il y a un petit grelot. Je dis grelot parce que les fréquences sont de l'ordre du Hertz, c'est-à-dire des fréquences auditives, acoustiques. Bon. Et il y a quelque chose qui se propage. Enfin, il faut savoir que l'ondelette que ça produit ici
à une hauteur qui est le milliardième du noyau d'un atome. Bon, alors pour observer ça, une petite rondelette comme ça qui frise, bon, je sais pas, ça serait un autre sujet, mais je n'ai pas voulu en parler aujourd'hui. Bon, mon ami Thibaut Damour est un des grands experts là-dessus, j'espère qu'il aura le prix Nobel pour ça. Enfin bon, et, non, c'est une autre affaire. Alors donc, le... Grothendieck s'est intéressé au problème de l'espace. Et bon, je vais vous donner simplement une image très, très sommaire. Bon, au lieu de dire espace, je vais dire forme géométrique. Bon, forme géométrique, c'est bon, voilà une forme géométrique, c'est de cette bouteille. Voilà une autre forme géométrique, ce micro. Voilà une forme géométrique, une serre. Voilà une forme géométrique, un cylindre. Bon, il y a toutes sortes de formes géométriques. Ces formes géométriques, elles sont étudiées depuis très longtemps, depuis 3000 ans à peu près, et dans des diverses civilisations. Nous, on connaît la tradition occidentale, mais la tradition chinoise était très développée aussi. Bon, donc, une forme géométrique, qu'est-ce que c'est qu'une forme géométrique? Alors, bon, ce qu'il y a, c'est que une forme géométrique, c'est d'abord, c'est plus que ce qu'on voit. Au cours du développement de la géométrie, par exemple, bon, vous avez tous tracé un cercle sur un plan, et tous tracé une droite. Bon. Alors, est-ce que le cercle et la droite se coupent? Ben, quand la droite est bien située, elle coupe le cercle en deux points. Mais si elle est trop en dehors du cercle, elle ne le coupe pas du tout. Et puis, elle peut être tangente, c'est-à-dire qu'il y a un point qui compte deux fois. Bon. Et, alors, pour unifier tout ça, on a inventé des points idéaux, etc. On dit points imaginaires. Bon, ça veut dire que quoi? Ils existent dans une certaine conception mathématique, mais on ne les voit pas. De la même manière que quand vous avez une route qui va jusqu'à l'horizon, les deux côtés sont bien parallèles. Deux parallèles, ça ne se rencontre pas, sauf qu'à l'horizon, vous avez l'impression qu'elles se rencontrent. Donc, il faut... Le progrès de la géométrie a consisté pour obtenir de meilleures régularités, deux droites se coupent, oui, sauf si elles sont parallèles. Ben non, on va éviter, il y aura, en rajoutant un point mythique, idéal, qui est un point à l'infini, un point sur l'horizon, on va faire quand même comme si elles avaient toujours un point commun, etc. Un cercle ou deux cercles, par exemple, se coupent, ben, en général, s'ils sont assez proches l'un de l'autre, c'est deux points, mais ça peut être zéro point, ils peuvent être tangents, etc. Donc, toutes sortes de situations qu'on veut unifier. Donc, une forme géométrique recèle dans ses soutes des points supplémentaires. Bon, un point qui compte deux fois, un point imaginaire, etc. Bon, donc, la forme géométrique engendre, bien au-delà de ce qui est visible, elle engendre des points imaginaires à l'infini, etc. Et le progrès de la géométrie, ça a été de reconnaître ça, c'est essentiellement au milieu du 19e siècle. Et ça n'a été permis que parce que Descartes avait remplacé la géométrie par l'algèbre. Le cercle, non, x carré plus y carré égale r carré. Voilà le cercle, c'est l'équation. Bon, et ouais, l'équation, ça se manipule. Bon, c'est pas, il y a pas encore la forme, la forme géométrique. Il y a ce qui engendrera la forme géométrique. Alors le schéma, le mot est employé à dessein. C'est un autre mathématicien très très important. Claude Chevalet, un de mes maîtres aussi, qui l'a inventé. Schéma, bon, mais schéma pour lui, c'était comme l'échafaudage pour construire une tour, par exemple. Bon, on sait bien que les tours du Moyen-Âge, on les construisait, l'échafaudage, bon, encore aujourd'hui, l'échafaudage est autour, mais enfin, bon, à l'époque, c'était plus compliqué. L'échafaudage de Toto, puis quand c'est terminé, on enlève l'échafaudage. Bon, ben, c'est la même idée. C'est-à-dire que cette forme géométrique qui est en gestation permanente, qui peut engendrer des objets imaginaires, idéaux, etc., mais qui sont quand même cachés là-dedans, eh bien, ce qui est le système sanguin, je me dirais pour une analogie. Il y a le corps, mais ce qui est caché, et ce qui est en fait... crée le corps, l'apparence du corps, c'est le système sanguin ou le système nerveux à l'intérieur. On ne le voit pas, mais il est là. C'est lui qui engendre. Bon, eh bien, en géométrie, un cercle, une sphère, etc., ils ont des possibilités d'engendrement qui sont répertoriées dans un schéma. Un schéma, c'est par exemple, le schéma, c'est ce qu'on appelle le bleu en
construction, je veux dire, c'est le schéma sur lequel, avec lequel on va se fabriquer soit un bâtiment, soit une pièce métallique, etc. Donc il y a ça. Et ça, ça a été une, c'est une des grandes créations. Alors, comme toutes les créations, la naissance est compliquée, parce que c'est né entre 1950 et 60, mais bon, c'est lui qui a terminé ça, mais on était au moins une dizaine autour de lui à avoir des idées très proches de ça. Il y a eu des tas de variantes, Chevalet qui a inventé le mot, schéma, etc., et d'autres, on était un certain nombre, c'était une époque où les choses avançaient très très vite, et, mais là, ce qui a fait l'originalité de Grothendieck, c'est que Grothendieck, c'est pas, selon la fable habituelle, c'est pas une grenouille, c'est un aigle. Grothendieck, il survole. Il est à 2000 mètres de haut avec une vue perçante et il regarde tout ce qui se passe et puis chou, il plonge. Et la souris, la grenouille au fond du marais, il l'attrape. Il l'a vu de 2000 mètres de haut avec sa vue perçante. Il plonge dessus, il l'attrape. Ben c'est une image qui convient bien à la manière de créer de Grothendieck. Il ne s'intéresse pas aux détails. Il ne regarde pas de près, il n'est pas myope, il regarde depuis le ciel. Et les détails, les détails l'importent peu, je veux dire. Bon. Et donc, je veux dire que c'est lui, une nouvelle fois. Bon, on était un certain nombre à avoir des idées très proches, de parallèles, qui se recoupaient en partie, etc. Mais lui, il est arrivé, il a dit, non, je veux l'idée la plus générale. On lui dit, c'est trop général ce que tu nous proposes. Et c'est lui qui avait raison. L'idée la plus générale, le moins de restrictions possible et la plus simple possible. C'était ça, sa manière de faire. Et il explique aussi, il y a une analogie, il dit, pour résoudre un problème, c'est comme ouvrir une noix. Bon, une noix. Une noix, il y a deux manières. Je prends un marteau, un burin, paf, paf, je casse la noix, je casse la coquille et j'ouvre la noix à l'intérieur. Il y a une autre manière qui est plus lente, mais qui est plus douce. Je mets ça dans un milieu humide et puis j'attends que la coquille s'amollisse. Ça peut prendre beaucoup de temps, mais à un moment donné, la coquille disparaît. La coquille est tellement ramollie qu'il suffit de presser un tout petit peu, elle disparaît. Et la graine qui est à l'intérieur est visible. C'était ça son image. Bon, c'est une des nombreuses images. Il avait un grand talent poétique. Ça, c'est vrai qu'il avait un grand talent poétique et que ces images, ces idées extrêmement abstraites, il savait les formuler de manière très poétique. Bon, voilà à peu près. Bon, j'ai dit un schéma. Bon, je veux dire, j'ai fait pas souvent des cours là-dessus. Bon, ben, ça prend devant des étudiants déjà bien formés, ça prend 30 heures pour le développer. Donc, je ne vais pas vous l'infliger. Et les pages dans lesquelles il y a plusieurs livres qui expliquent ça en détail. Bon, pas les livres originaux de Grothendieck, mais il y a eu des versions plus pédagogique, je dirais, mais enfin quand même, bon, il faut pour développer ça, il faut un bon trimestre avec des bons étudiants qui sont déjà bien formés. Donc je ne vais pas vous l'infliger. Simplement, je vous cite et puisqu'on est une rencontre littéraire, je vous dirai que Grothendieck, c'est aussi un écrivain de talent.